Oh, y a ma femme. Où ça? Là, elle fait le dos crôlé, regarde. Puis y a Balou aussi. Ouais. J'espère qu'il a pris ses brassards. Il est derrière Balou, là, je sais pas. Je crois que c'est ma mère aussi. Ah oui, Marie-Jeanne. Ouais. J'aimerais t'en voir, Syracuse. Souvenir à Paris. Tu nous reproches les femmes en les portant habillées à la mode, non? Ouais, à la mode, mais de quelle année? Ça compte pas, ça, l'apparence. Une femme, elle juge pas là-dessus. Elle est plus intelligente que ça. Oui, mais n'empêche que l'autre fois en boîte, il n'y en a pas une qui t'a adressé la parole. Hein. Dimanche, quand j'avais mis mon beau costume. Oui, celui en velours orange à pattes d'éléphant, avec ta belle chemise à jabot et tes chaussures à haut talon.
venez des grands sars de l'Inde, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes né dans l'Inde? Je suis né dans l'Inde. À quel endroit de l'Inde? Châteauroux. Ah, Châteauroux, extraordinaire. Et je crois savoir de source sûre que votre père était hindou. Hindou, oui. Votre grand-père? Hindou. Votre arrière-grand-père? C'était hindou. Bien. Par conséquent, il y a depuis de longues années la pratique de la vision hindoue. Mais dites-moi, votre sérénité, vous avez le don de double vue? Je vois double, oui. Une voix double, je m'en doutais un peu d'ailleurs. Même la présentation, attention, mais là, tu es bien équipé. Allez, vas-y. Je vais chercher des secours aux enfants, hein? Je reviens. Qui danse en se frottant la panse sur la panse des femmes, et ils tournent et ils dansent comme des.
des soleils crachés dans le sang déchiré d'un accordéon. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, il ramène.